Bon, c'est clair, c'est bon. Assez de luminosité. Désormais, tous les directs, c'est sur cette page. Je vous avais averti. Merci. Ok, c'est quoi ça? Connectez-vous, le temps de vous connecter. Merci à la première personne connectée. Merci, merci. Je vois deux personnes connectées. Corinne et Ada connectées. Merci, merci à tous. Oui, oh, je vois mes personnes là. C'est bien. Connectez-vous. Connectez-vous. Je veux que vous partagez ma petite vidéo pour faire plaisir à quelqu'un. Ouais. Merci beaucoup. Merci à tous. Coco, comment vas-tu? Oui, je vais bien. L'impacteuse toujours. Je vais bien. Merci. Et là. Ouais. Connectez-vous, le temps de vous connecter. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une personne importante pour moi. Oui, c'est vrai, on ne s'est jamais vu. Mais dans la vie, ça prend parfois peu. Oui, ça prend pas beaucoup. Ouais, ça prend pas beaucoup pour établir de belles relations. Oui, Zoé Zézé, comment vas-tu? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai eu une grosse journée. Mais j'ai dit, bon, je vais profiter quand même pour faire ça. J'avais prévu ça un peu durant toute la journée. J'ai dit, bon, je vais trouver le moyen de le faire. Et puis, bon, je vous vois, vous êtes connectés. Profitez, j'ai tagué, je sais qu'il est tard en France. Je fais ce petit direct. Oui, ça ne va pas être long, ça va être peut-être un direct de 15 à 20 minutes maximum. Oui. Félicité Nguessan, comment vas-tu? Ouais, ça va être un petit direct pour marquer l'anniversaire de ma petite soeur. Je vais l'appeler ma petite soeur parce qu'aujourd'hui, je crois qu'elle va avoir 36 ans. Comme je dis, il n'y a personne qui veut que son enfant fasse un enfant à 15 ans. Il n'y a personne qui veut que son enfant fasse un enfant à 16 ans. Donc, jusqu'à preuve du contraire, elle est ma petite soeur. Voilà. Je ne veux pas qu'elle soit ma fille parce que si ma fille a cet âge-là, je veux qu'elle soit sur les bancs de l'école. C'est les Africains qui réfléchissent. Ils disent, non, dès que tu as tes règles, tu peux accoucher. C'est pas comme ça qu'on réfléchit dans la vie. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Oui, souhaitez massivement comment on appelle ça, le joyeux anniversaire à Edwige Milan. Toujours je dis de Milan. Edwige Milan, comment on appelle ça, diamant noir. La petite Coria, c'est son anniversaire aujourd'hui. J'ai dit qu'il faut que je marque ça. Ça doit être marqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous demande déjà là, mais quelques personnes qui êtes là, j'ai fait exprès pour faire ça sur cette petite page-là. Il est tard, il est déjà 18h45 à Montréal passé. Je ne sais pas, il doit être près de 23h ou bien minuit déjà en France, aux États-Unis, un peu partout. Il fait jour. Donc, vous, ces quelques personnes là, partagez ce petit direct-là pour qu'elles le reçoivent. Mais je vais mettre une chanson, oui, joyeux anniversaire à Edwige. Je vais mettre une chanson, je vais parler de la personne, le peu de choses que je sais de la personne, comment j'ai connu cette fille, c'est-à-dire que sur la toile pour la première fois, tout et tout, je vais parler de ça. Et puis bon, on va trinquer en son honneur, oui, parce qu'aujourd'hui, c'est sa fête. C'est sa fête, donc on va lui faire honneur sur cette petite page-là. Après, je vais mettre ça sur la grande page, et puis demain, bon, vous qui allez regarder ça demain aussi, partagez. Donc, je vais vous mettre joyeux anniversaire de Lato Crespino. Je ne suis pas auteur de cette chanson. C'est Lato Crespino qui est l'auteur. Mais j'aime bien ça. Et puis, voilà, c'est ça. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oh, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, oh. Et joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire, oh. Oh Dieu. Oui,
1000 ans. C'est ta fête aujourd'hui. Je suis là pour te rendre honneur, ma chérie. Ouais, je suis là pour te rendre honneur. Je te dis grand merci aussi, oui. Quand j'ai été traînée sur la toile, c'est comme si je n'étais pas une Ivoirienne. Partout, c'était une impacteuse. Chanel dit, elle, c'est ma nièce, donc faut elle l'en met à côté. C'est Edwige de Milan, la seule blogueuse sur cette toile-là. Qui est venue à mon secours. Elle a dit, non, c'est pas possible que cette femme-là soit traînée dans la boue comme ça. C'est toi qui es venue, ma soeur. Tu es venue, ma petite soeur, à mon secours. Même si elle t'a dit, faut laisser, mais tu as dit, non, tu ne laisses pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là pour te rendre honneur. Je suis là pour te rendre honneur de Pata Bravo. Je suis là pour te dire, tu es une grande personne. Tu as une, ça dit que tu as de la, ça dit que tu as de la répartie. Tu n'es pas n'importe qui, Edwige Milan. Il y a quelque chose de spécial en toi. Anniversaire, oh. Anniversaire. Anniversaire. Mais anniversaire sans manger, c'est pas anniversaire. Emporter. Ah, c'est anniversaire africain. Ah, d'autres souvenirs, je ne sais pas. Joyeux anniversaire. Mais ça ne veut même pas. C'est ce soir, après le travail, j'ai dit, mais attends. J'ai vu ta vidéo, j'ai dit quoi? Non. Que Dieu t'accorde tout ce que tu cherches. Tu es déjà une mère complète. On a vu ton anniversaire aujourd'hui. L'amour des siens, tes enfants. Aïe, aïe, aïe. Oh. Merci beaucoup. Dieu te bénisse, Edwige Milan. Bon, merci beaucoup. Merci aux personnes qui sont connectées. Merci, je vous dis merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, je suis là pour mettre, ça dit que pour rendre honneur à une petite sœur, oui, Edwige de Milan, Edwige Milan, qui a eu ses 30, je pense 36 ans aujourd'hui ou 35 ans. Bref, aujourd'hui, c'est sa fête. Je suis là pour rendre honneur à cette petite sœur-là. Edwige, comment je l'ai découverte? Un matin, j'étais au travail et puis quelqu'un m'a tagué sur sa vidéo. Je pense qu'il y a comme... quand je faisais la vidéo du bébé d'engrais, quand j'avais fini de faire la vidéo, dans ma vidéo, je pense que j'avais dit, je sollicitais l'aide. Et puis, j'ai dit comme ça que moi, je n'aime pas. En tout cas, tu peux tout me faire, mais quelqu'un qui entache ma réputation, je peux porter plainte contre toi. Je pense qu'elle a aimé cette phrase-là. Et puis, lors d'un direct qu'elle faisait, elle a prononcé mon nom, tout et tout. Et puis, bon, les gens m'ont tagué pour dire, ah, l'impacteuse, elle vit. Ou elle est en train de dire ton nom. J'ai dit, c'est qui Edwige Milan, je ne la connais pas. Ils ont dit, non, c'est une jeune blogueuse, elle est encore nouvelle, tout et tout. Et puis, je suis allée, je l'ai écoutée. Je dis, mon Dieu, elle parle bien cette fille-là. Oui, son ton était bien posé, tout et tout. Elle était en train d'expliquer comment, quand on sollicite l'aide pour aider des gens qui sont démunis, on ne voit pas beaucoup de personnes, tout ça. Et puis bon, j'ai eu du plaisir à l'écouter, tout et tout. Puis de temps en temps, je partais comme faire des tours sur sa page, et puis bon, je voyais comment qu'elle se défendait. Bref, c'est comme ça, et puis bon, après, plus jamais de contact, rien, et puis un matin, il y a eu tout ce que vous voulez. Je ne suis pas ici pour réveiller les vieilles histoires. Comme je vous ai dit, moi, l'impacteuse, ma vie, je l'amène tranquille, voilà. Donc, si des gens aiment, ça dit que, comme j'ai dit, si des gens aiment tout ce qui est fabriqué, tout ce qui peut faire plaisir, bon, on vous a donné, vous avez pris. Moi, je vis tranquille avec mon mari et mes enfants au Canada. Ma vie que j'ai, je n'ai pas de vie. Ça dit que je n'ai pas, il n'y a pas quelqu'un que je peux envier sur la toile. Ça, c'est clair. La vie que moi, je mène au Canada, je ne peux pas envier qui que tu sois. Puis, tu es sur la toile. Voilà, c'est ça qui est là et puis ça ne chauffe pas. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu tout ce que vous avez vu, tout et tout. C'est Edwige de Milan. Edwige Milan, comme je l'appelle de Milan chaque fois. C'est cette petite-là dont on m'a envoyé la première vidéo. Quand j'ai vu comment elle a pris tout ce monde-là d'eau. Quand j'ai vu comment cette fille-là a essayé par toutes les manières, a essayé de toutes ses forces de se défendre.
Ça dit que, oui, elle s'est défendue, mais comme on peut dire, de prendre ma part dans cette affaire-là. C'est la seule blogueuse, oui, je le dis. La seule blogueuse qui a pris en main Chanel T. Oui, Chanel T, comme je dis, elle, c'est ma nièce. Donc, ouais, là, je mets à part. Aujourd'hui, je suis là pour rendre honneur à Edwige. C'est Edwige de Milan seule. Comme si je n'étais pas une Africaine. Comme si je n'étais pas une Ivoirienne. C'est Edwige de Milan seule qui est venue m'enlever dans cette boue-là où on a voulu me traîner. Et quand elle faisait ça, j'essayais même de rentrer en contact avec elle pour lui dire non, laisse tomber tout et tout, mais elle ne décrochait même pas mes appels. J'ai essayé par plusieurs personnes. Elle ne décrochait pas comme si elle savait ce que elle faisait, comme si elle savait ce que j'allais lui dire. Cette fille-là a débattu, ça dit que ma cause sur la toile. Quand on dit Edwige de Milan, quand on parle de l'impacteuse, ceux qui ont pris la cause de l'impacteuse, il y a Edwige de Milan, il y a Chanel T, il y a, comment on appelle ce garçon, Enda Julien, il y a Sénie Kramba. Moi, où je suis une personne vraie. Mon frère Didier Publicité, lui, c'est dans notre discrétion, dans notre intimité qu'il est venu me demander. Et puis bon, il a fait ce qu'il veut. Donc aujourd'hui, toi, ma petite Edwige, je suis là pour te rendre honneur. Je suis là pour te dire, tu dois rester tel que tu es. Oh que oui. Des gens comme toi là, on en a besoin dans notre société. Des gens qui n'acceptent pas, ça dit que ce qui n'est pas juste. Oui, parce que c'est ça ton combat. Toi, tu es dans le combat de la justice. Et parfois, quand tu fais tes vidéos, moi, je me retrouve en toi. Je me retrouve en toi parce que parfois, dans tes jugements, je sens la justice. Je sens que tu ne prends pas nécessairement de parti. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour ta fête, je viens te rendre honneur. Oui, je viens te rendre honneur, ma chérie, parce que tu le mérites. Tu mérites d'être, ça dit que mise en avant. Tu mérites d'être propulsée parce que tu es une personne spéciale. Il y a quelque chose de spécial en toi. Des gens vont te critiquer, on va dire tout ce qu'ils veulent sur toi. Tu es unique en ton genre. Oh que oui, je suis là pour te dire, Edwige de Milan, je suis aujourd'hui là pour t'honorer en ce jour de ta fête. J'aurais voulu être peut-être en France, on allait organiser quelque chose de spécial. Mais déjà ce que j'ai vu cet après-midi, parce que c'est cet après-midi que je me suis rendu compte que c'était ta fête. Je dis bon, c'est la fête de ma petite. Je ne peux pas laisser ça passer. Même s'il fait tard en France, moi je vais essayer d'improviser quelque chose ici. C'est pour ça que je suis là pour faire ce petit direct là. Je suis là pour te rendre honneur. Donc, je vais couper un tout petit gâteau que j'ai acheté, oui, avec tout l'amour, oui, c'est avec l'amour. Comme je dis, j'ai même mis ta vidéo sur ma page ce soir. J'ai dit que le bonheur, c'est dans les petites choses. Oui, le bonheur là, c'est dans les petites choses, comme je le dis. Parce que si l'argent faisait totalement le bonheur, si c'était les marques qui faisaient le bonheur, si c'était je ne sais pas quoi qui faisait le bonheur, on n'allait pas voir ici des stars se donner la mort. Il y a des stars qui se sont donné la mort pas plus tard que l'année passée, pas plus tard que cette année encore, 2020. Mais quand j'ai regardé ta vidéo cet après-midi de ton anniversaire, j'ai dit, mon Dieu, cette fille-là, elle est chanceuse. Oui, tu es chanceuse. On voyait comment tes enfants étaient autour de toi. Maman, si, maman, ça, on sentait que tu as la paix du cœur. On sent que tu es une personne heureuse. On sent que tu n'as pas la frustration en toi. On sent que tu n'as que le bonheur des autres en toi. C'est pour ça que moi, je suis là pour te rendre honneur. Ouais, donc c'est ça. Comme je t'ai dit, chez moi, je fais les choses comme ça. Je t'ai dressé cette petite table-là. Où est la bougie pour allumer? On va l'allumer. Je t'ai acheté un tout petit gâteau, ma très chère Edwige. Attends, je vais mettre. Est-ce que vous voyez? Si vous voyez, vous me dites, vous voyez, je vais ajuster un peu. Oui, je t'ai acheté ça, ma chérie, avec tout mon cœur. Ok, attends. Avec tout mon cœur, tu le mérites. Si c'est trop bas, vous me dites, je suis en train d'ajuster ça. Voilà. Donc, c'est ça. On va allumer ça pour toi. Allume, ma chère. Voilà.
On peut prendre l'autre pour allumer. Parfois, ces bougies, elles sont dures à allumer. Ok. Donc, c'est ça. Voici ton petit gâteau. Attends que je me place super bien. Voilà, joyeux anniversaire, Edwige. C'est ton petit gâteau que j'ai acheté avec beaucoup d'amour pour te dire que tu es dans mon cœur. Tu es une personne vraie. Tu es une personne sincère. Voilà, reste tel que tu es. Le bonheur, là, tu vas l'avoir. Tu vas avoir tout ce que tu cherches. En cette journée de ton anniversaire, voici les vœux que je te souhaite. Que Dieu te permette d'avoir le bébé en santé. Voilà, que tu fasses un bon accouchement. Que ton accouchement soit paisible. Et puis que le bébé sorte en santé. Voici le vœu que je te fais aujourd'hui, en ce jour de ton anniversaire. Comme tu n'es pas là pour souffler les bougies, c'est moi qui vais le faire à ta place. Ok. Chérie, tu peux m'envoyer le vin que j'ai acheté pour Edwige. Je vais prendre une coupe. Ah, tiens, Wendy, tu peux te tenir ça. J'ai une carte aussi que j'ai prévue pour toi, ma chérie. Tout ça, c'est ce que j'allais te donner si j'étais avec toi. Voilà. Tu peux m'envoyer le vin là, tu peux l'ouvrir pour moi et puis me l'envoyer s'il te plaît. Voilà. Voilà, on va mettre ça là. J'ai acheté cette carte là. Ça m'a pris du temps pour avoir ce que je pouvais avoir. Donc je vais m'asseoir. Voici ta carte. Voilà. Voici ta carte que je t'ai offerte pour ton anniversaire, ma très chère Edwige. Un message bien amical. Voilà. Quand tu vas te réveiller demain, c'est pour toi. Ton anniversaire est une si belle occasion pour ceux qui t'entourent, te soulignent les petits gestes que tu poses, la façon dont tu te soucies des autres, la façon dont tu aimes le monde a bien besoin des gens comme toi. Joyeux anniversaire, ma très chère Edwige Milan. Chérie, attends. Bon, merci beaucoup. Attends, ils n'ont pas vu là. Donne-moi, je vais me servir. Merci. Donc, c'est ça. Moi, je bois ce petit chenet-là en ta mémoire le jour de ton anniversaire. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Nous, on va continuer la soirée avec ça. Parce que nous, on aime ça regarder les élections américaines. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, c'est à ton honneur. Si j'étais à Paris, on se serait vu. J'avais programmé ça. Mais Dieu en a décidé autrement. Mais je partage cet instant. Tout ça, c'est pour toi que j'ai fait ça. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Partagez ma petite vidéo pour qu'elle reçoive ça. C'est une personne vraie. Merci beaucoup. Merci, oui. Emirance Zike, épouse, plie. Merci, c'est une petite fille, comme je dis, qui est vraie. Elle est vraie. Voilà. Si je vous dis que ce n'est pas une personne à laquelle je communique, vous allez penser que c'est faux. Je lui ai parlé que quand, dans le inbox, je lui ai parlé plusieurs fois, jusqu'à ce qu'un matin, elle m'a répondu. On s'est parlé une seule fois dans le inbox depuis jusqu'à aujourd'hui. Même ce geste que je suis en train de faire, elle ne sait même pas. Mais comme c'est une personne qui est vraie, une personne que j'aime sincèrement, donc j'ai tenu à marquer ça le jour de sa fête. Donc sur ce, je vous dis merci. Je vais garder cette carte-là précieusement le jour que je vais à Paris pour voir bébé, comment il s'appelle, notre futur bébé.
bébé ange Didier, tu me verras. Voilà, c'est ça. Je vous demande de partager, vous mettre en 4 personnes qui êtes là, vous partagez juste pour que Edwige reçoive ça. Voilà, c'est pour elle que j'ai fait ça. Merci. Moi, je m'en vais préparer mon souper. Au revoir. Ciao.